Cambote, vamos a gustar la una, tu tondele. Solo un gandinga, kikong, un dinga, cieto. Si vous nous regardez, merci beaucoup. Nous allons apprendre la langue de nos ancêtres, kikongo. Comme avant d'être en direct, nous, on dialoguait, on disait nous sommes en train de lutter pour la renaissance du kikongo. Alors quelqu'un dira, mais la renaissance, comment ça? Le kikongo n'est pas mort. Le kikongo est effectivement mort, hein? Dites-moi, la fille née à Mbanza, à Kwilufuta, à Mbanza Ngungu, Kazikolo, à Congo Central, une fillette qui a 8 ans, qui ne parle que Kikongo, quand elle va avoir ses enfants, pardon, elle ne parle que Lingala, pardon, hein,
Alors, quand elle va voir ses enfants, est-ce qu'ils vont parler Kikongo? Non, Lingala et le petit-enfant, alors. Bon. Ah oui. Je m'arrête là, vous comprenez. Tata Domingos, merci beaucoup. Tata Kieka, merci beaucoup. D'ailleurs, ton nom dit tout, hein, monsieur Guerrier. Les gens forts, c'est quand il y a des problèmes. Hein. On a vu ça en Europe, quand la maladie, là, le. Comment on appelle ça? Le Je vais oublier Covid. le mot parce qu'eux n'aiment pas ça. Hein, vous comprenez, hein? Alors, les Mimvidi, hein? Les Mimvidi, je vais dire ça en français et en Kikongo. Les Mimvidi, Makumienana. Vous comprenez? Les Mimvidi de Kumienana. Tu comprends les chiffres, papa? Kumienana. Kumi, Nana. Voilà, Kumienana. Les Mimvidi de Kumienana. 19. Quand ça a commencé, alors ils ont rappelé toutes les têtes, disons. Hein, Batomaël, venez, venez aller au labo vite, vite. Pour trouver une solution, tu vois. Et nous, les Africains, souvent, quand il y a un problème, hein, on s'arrête, mets-toi debout. Ah oui, ah oui. On a un problème sérieux. Si tu es Mukongo réellement, ton langue maternelle, c'est Kikongo, en tout cas, c'est un souci, hein. On est en train de perdre, hein? Mais Et c'est notre pourtant, culture. je sais pas si tu avais entendu parler de l'ancien Los, là, qui a été découvert, de les scientifiques, ils ont retourné pas mal de chiffres. En fait, c'était, ils disent que normalement, c'était le premier calcul au monde qu'on découvert dans le bassin du Congo. En fait, Si, si. le fameux Los de Shango. Et Non, voilà. cet os-là, apparemment, il y avait des écrits, des chiffres Voilà, là-dedans. voilà, voilà. C'était la symétrie parfaite. Et en même temps, dernièrement, ils ont desséqué. Ils se sont rendus compte que c'était le code ADN. Et pourtant, ça date des années et des années. Bien sûr, Donc, bien sûr. bon, bref. Bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est Papa Otunde, non? Papa Kalala, je crois, c'est lui qui a. Bon. Ouais, il a parlé de ça aussi. Ouais, il a pas Ah, il a ça. parlé de ça aussi. Ah bon. Voilà. Alors, moi, ça c'est pas étrange. Si on dit que c'est lui qui dit, Papa Kalala. C'est Papa Kalabantounde qui dit, si vous dites que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, alors la science vient d'où? De chez Ah nous, non? oui. C'est Ah mais naturel. oui. Alors, qui a enseigné qui a appris de qui? C'est pas vous. Ah oui, ah oui. Maintenant, C'est clair. heureusement, on est en train de découvrir. Alors d'ailleurs, moi, je vais afficher un slide, hein, comme je dis en français. Un slide. Le mot, il y a des mots qui comptent partout, hein, même en allemand. Hein, Bund, Bund, Bund. Quand on dit Bund, c'est Fédération, Union, tout ça. Ah ouais. En allemand. Vous qui aimez le sport, le foot. Bundestag. Bundesliga, tout ça. Alors, non, hein, ça vient de Kikongo. Hein. Quelqu'un, quelque part, en train de nous regarder, dit, ah, Yopé, ok, ça va, allons-y, venez, arrête, ne bougez pas, on va apprendre ensemble. Ah C'est toujours oui. comme ça. Si c'est ton frère, non, mais qui est en train de dire ça, vous dites, ah, Yosu. Si Ah quelqu'un oui. qui vient, je sais pas, un japonais, professeur, docteur, oh, ça c'est vrai. Alors, Bund, en anglais, en allemand, Bund. Attends, on va passer après la leçon. On est en train d'apprendre aussi notre histoire et notre culture, tu vois. C'est ce qui nous donne la force. Sinon, nos enfants, nous n'aurons rien à enseigner à nos enfants. Hein. Quand ils vont à l'école, comment ils vont se défendre? Est-ce que tu as jamais dit aux enfants que, Joe, que nos ancêtres, nos aïeux, nous, Bakongo, les Bakongo, hein, c'est nous qui avons vécu l'armée de Napoléon, hein? Ah oui. Hein? Parce que en Haïti, la révolution haïtienne, l'armée là, c'était le Bakongo parce que c'était l'esclave, disons, Les déportés. déporté du royaume Congo, tu vois? Au royaume Congo, ils étaient les gardes royales, hein? Et ma caisse, hein, fort. Mais souvent, c'est. Ok. Parenthèse. Alors, je vais. Ça, c'est pour nous motiver quand même. Bon. Il y a ceux
Ceux qui ont des richesses, comme on dit en lingala, ils ont raison. Bon, je vais dire ça en kikongo plutôt en lingala. En kikongo, on dit à quoi kango nguba kato? À quoi nguba kango kato? Peut-être vous comprenez? C'est ce qu'ils ont de la poêle, non? C'est ce qu'ils ont de Voilà, poêle voilà, voilà. Hein? pour... Ah ouais, ah bon. Bon, continue, continue. Ouais, en fait, c'est ce qu'ils ont de poêle pour... Amène-lui, comment ça dit en français les ngouba? Bon, les arachides, hein? C'est les arachides, ouais. Ceux qui ont la poêle n'ont pas les arachides, ceux qui Ouais, et l'inverse ceux qui aussi. ont les arachides, ils n'ont pas de poêle, ouais. Non, mais c'est vraiment bien dit en tout Hein? cas. Ouais, c'est l'équivalent de. Bon, on ne copie pas, hein, ce qui compte vraiment. Mais en lingala, on dit Batu Bazana. La king, on va dans la Mayagate, bon, vous comprenez. Nous, Ah on ouais. a une culture, hein. Parce que Congo, avec K, hein, d'ailleurs, il y a quelqu'un, il est zambien, le frère, hein, il veut apprendre le Kikongo, il vient d'aimer la classe américaine, disons, la classe anglaise. Lui, il disait qu'il a les vestiges de Congo, je crois, dans Zambie, quelque Zimbabwe. Congo, dans l'Afrique centrale, le royaume, hein. À l'époque, le plus puissant, c'est Congo. Hein? Allez, je vais m'arrêter là, sinon, je dois mâcher mes mots. Parce que les Africains sont comme ça. Alors, je partage. Mais c'est ce qu'on vient de dire, justement. Bon, ben, c'est ça l'histoire. Et vous, mais. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On oublie l'histoire. On laisse ça comme ça. Bon. Alors. C'est en anglais, mais vous allez comprendre. Donc, Bund. 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 Alliance, union, association. Bund. Alors, nous, Africains, Papa Kalala, Mutunde l'a dit, et on peut prouver ça. Nous avons créé la langue, le latin. Hein? Alors, les latins, qui dit latin? Donc, le latin, c'est avant. Les langues romances, c'est avant le français, le portugais, et bien sûr avant l'allemand. Je vais afficher le dictionnaire anglais Kikongo, hein, après. Hein. Anglais Kikongo, Bundu, nous c'est Bundu. Donc la définition, papa, quelqu'un, est la Oui. même. Hein. Bundu, c'est alliance, union, tout ça, vous comprenez. Hein. Donc ça, c'est. Le premier dictionnaire Kikongo anglais, anglais Kikongo, écrit en 1887 avec peut-être, c'était le top 10 top linguistes de l'époque. Ça a pris presque 10 ans pour écrire, hein, pour rédiger donc. Et après, en même temps qu'on faisait le travail, disons, le dictionnaire, il faisait aussi la traduction de la Bible, de la Sainte Bible de l'anglais en Kikongo. C'est pour dire que le premier Ngunda de l'Afrique centrale, c'est Mukongo. L'équipe, c'était. Attends. L'équipe était composée de 10 top, 10 top, non, 10. Dit des meilleurs. Voilà, mais le leader, donc le dirigeant, disons, le chef du projet, il avait un anglais, William Bentley et John Lenvre. John Lenvre. John Lenvre a visité l'Angleterre. Mais nous, ça, quelque chose pour apprendre l'anglais, hein. Ils apprenaient l'anglais même en Banza-Congo. Alors, prenez note. Hein. Diego Kao est arrivé à l'embouchure du fleuve Congo en quelle année? Qui se rappelle? T'as écrit que ça, c'est notre histoire. Ah, Diego Kao, 1500, il quelque arrive chose. à 1500. 1800, 1482. Bravo, bravo. Ça, Ah. c'est notre histoire. 1482. Alors, 1482 jusqu'à 1881, donc les Belges sont arrivés
en 1881. Donc, de 1482 à 1881, c'est presque 5 siècles, non? Oui. Alors, la région Kinshasa, la région de qu'on appelle, on a appelé après Poul Stanley Poul, Brazzaville, tout, bon. Moi, je vais utiliser le nom du Congo. Kinshasa, c'est Pumbu, hein? Pumbu, c'est pas Kinshasa, Pumbu. C'est le village informé marché, hein, dans le royaume Congo. Pumbu. Et puis, du côté Brazzaville, ce Congo d'Afoua. Hein? Mbanza-Foua. Alors, ça va? Alors, après 1888, disons, 98, 98, on a commencé à construire le chemin de fer, hein, Matadi-Kinshasa. Donc, Kinshasa, c'est Rome Congo. Alors, question. Comment se dit le front en Lingala? Non, ça, c'est pour juste prouver qu'on était là avant avant les frères Lingala. Hein? C'est que Kinshasa, on parlait, disons, Pumbu. On ne dit pas Kinshasa, Pumbu. Parce que toutes les cités. Vous créez une cité, hein, parce que on peut créer. Bon, vous connaissez l'histoire, c'est comme à Quilamba, en Angola. Bon, pas forcément en Angola, mais on a l'exemple typique, c'est Dubaï, tu vois. C'est une bonne alliée, quand les gens, bon. La ville, on l'a construite, hein. Mais souvent, on trouve d'abord un village et puis on va construire la ville. Donc les Pumbu, qui sont les Pumbu, alors? Ça, c'est pour dire qu'on était là avant que le. Avant Donc l'Ingala. le nom Pombo, ça s'appelait avant Kinshasa. Non, je vais retourner. Oui. Diogo Kan arrive à l'embouchure du royaume Congo. Oui. On n'a pas de pays en Afrique, on n'a que des royaumes, attention. Que Hein. des royaumes, oui. On n'a pas le pays Congo, le pays Congo grand ou petit, hein? Pas même l'Angola. On a le royaume Congo. Donc le royaume Congo, qui dit royaume Congo dit Sud Gabon actuel, Congo central, Congo de Katangi, Congo. Pardon, Brazzaville aussi, et puis le Nord Angola. Le 1482 à 1881, on n'a pas Kinshasa au monde. Il n'y a pas Kinshasa. Ah Il oui, n'y a pas de mot Kinshasa. Hein, on ne oui. trouve pas ça sur la carte géographique. Pas de mot Kinshasa, pas de mot Brazzaville. Ah Et c'est oui. pas Brazzaville, parce que Brazzaville, c'est quelqu'un. Brazza, c'est quelqu'un. Attends, je vais m'arrêter là. Non, on le voit mieux. Les Brazza. Non. Quelqu'un a dit, mais pourquoi maintenir ce nom-là, hein? Les Brazza. Alors, Ah OK. Alors, 1482. Retenez, c'est très important, parce qu'il faut tout le monde parler à Banabino. oui. Banabino. Si je dis ça en Lingala, parce que. Il y a les gens qui suivent. Bon, les gars, là, c'est nous qui parlons. Il faut dire ça à nos enfants, sinon, quand on va passer, ils vont rester ici. Ils ne vont pas connaître l'histoire, hein, tu vois. C'est pas bon. C'est à nous la faute. 1482, City Mukongwa, vous nous suivez, merci beaucoup. Ça, c'est l'histoire de Rome Congo. On n'est pas là pour insulter les autres tribus, hein. D'un côté. De l'autre côté. En tout cas, on ne doit jamais oublier notre histoire, tu vois? Parce que nous, les Congo, les Bakongo, c'est nous qui avions pensé sur l'indépendance de l'Angola, du Congo grand, le grand Congo, ou le petit Congo. C'est nous les auteurs, hein? C'est nous, caca. C'est notre histoire. Bon, cela ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, non, c'est pas ça. Mais on doit toujours souligner, hein, de reconnaître son histoire. C'est important. 1482, 1884, 1881, il n'y a pas de Kinshasa, pas de Congo. Le papa, demain, ta question encore? Tu posais la question? Non, en fait, c'est les dates qui m'avaient.
Ouais, on n'a pas Kinshasa, on n'a pas Oui. Kinshasa, on n'a rien. Non, non, non. Ah, Tout là, mais oui. c'est. Bon. Kinshasa vient après. Hein. On peut le trouver maintenant. Kinshasa, là, Ah oui. on a un quartier qui s'appelle Lemba. Lemba, c'est Kikongo. Lemba, quoi? Lemba Ma, tu vois? Ah oui, Lemba, Kinkole, 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 c'est Kinkole, l'esclavage. Hein? Hein? Ah oui. Barindingi. Moi, j'étais petit avec ma grand-mère. On allait Barindingi. C'est maintenant. Bon, c'est une ville vers Ipen, Mbinza. Barindingi, c'est la forêt. C'est là, en 1960, c'est quand? 73, 72 ans. On allait avec ma grand-mère. On faisait le bilanga. Hein? Le chant, voilà. Alors, ça, c'est Barindingi veut dire. Bah, attends, je vais écrire ça. Bah, vous voyez. Bah, BA, hein? Bah. T'as vu ça, Tata Keka? Bah. Sur le chat. Sur le Ah, chat. Bah, sur le palmier, hein? Quand d'accord. on dit Barindingi, Barinding, ça veut dire le bas des Tata Ndingi. Hein? Tata Ndingi s'est reposé. Hein? Vous comprenez? Il y a le palmier là, quand il fait le choix, hein? Il s'est reposé sous le palmier. Barindingi. Encore, il y a beaucoup de. Il y en a beaucoup d'ailleurs. On a Ntsele, c'est aussi qui commence, c'est pas Lingala. Hein? Kimwenza, c'est clair. Bon, qui connaît l'histoire de Kinshasa, il va pas me contredire. Ok. L'imba, c'est quoi, s'il vous plaît? L'embama, c'est le verbe, hein, disons la racine. L'embama, c'est être doux, calme. Hein? D'accord. L'embama, donc l'emba. Quand je dis. Bon. Bon, Lemba, Lemba, Lembwadio, Lemba, Kinkole, on avait aussi, je crois, non, c'est pas un quartier. Ok, Barumbu. Hein? Barumbu, c'est un quartier, c'est vers la zone, près la zone de Mounine. Hein? Barumbu, c'est Baumbu, hein? Ça Ah dit que c'est oui. Baumbu. Baumbu aussi, c'est le synonyme de Kinkole, esclave. Kinkole, ça veut dire esclave. Kinkole, Ah oui. yeah. Ça, bon, ça Donc, pour dire en fait, la plupart de ces grands capitales, bon, je dis grand capital entre guillemets, les capitales de Congo, Kinshasa et capitale de l'Angola, il y a eu pas mal de Bakongo, qui vivaient parce que même en Angola, le Luanda, là, il y a eu pas mal de monde de Kikongo, là. non, mais c'est ce que je suis en train de dire, hein. Donc, quand on dit 1482, 1888, disons, on parle de Kinshasa, les Belges ne parlent pas, hein? Donc, c'est Kikongo tout, c'est Kikongo, hein? Poumbou, faut dire Poumbou. Quand tu dis Poumbou, il y a un frère qui est à Kinshasa qui enseigne le Kikongo. Ce jeune, hein? Lui dit Poumbou, il appelle Poumbou. Kinshasa, c'est pas Kinshasa, c'est Poumbou. D'ailleurs, le mot Kinshasa, c'est Kintasa. Tasa veut dire. Hein? Vous avez dit crier en français. Ça veut dire. Élevé, Pardon? élevé, élevé. Élever, voilà. Élever, éduquer, tu vois. Tasa. Hein? Parce que les Belges ne pouvaient pas prononcer, disons, c'est Kikongo. Hein? Au lieu de prononcer Kintasa, bon, la tonalité, c'est pour les Bantous. Hein? Et ils disaient Kinchacha, tu vois, même S. Hein? Intasa. Alors, attends. C'est bon, papa Kega, question? Oui. Non, faut prendre des notes absolument, parce que ça, c'est notre histoire. Hein? T'as bêté armé à Napoléon en Haïti. C'est comme ça qu'on dit un gars. Mais il y a autant en école en France. Non, les enfants, on ne jamais, ils vont jamais apprendre ça. C'est à toi de dire ça. Hein?
Et papa Kalala a dit qu'il y a un mouvement, on est en train de créer des écoles pour les Africains, hein, pour enseigner l'histoire de l'Afrique. Alors, question papa Joe. Non, mais c'est très intéressant. Alors, quand moi je dis que je vais à Pumbu, il faut comprendre hein, que je vais. Hein, où se trouve Pumbu? Pumbu, c'est. Hein, Pumbu, ouais. Voilà, et c'est un Pumbu, là, ça veut dire quoi? Pumbu, en tout cas, je ne sais pas comment. Pumbu, non, je ne sais pas. On ne va pas Ah inventer bon. l'explication, mais Pumbu, c'est Kikongo. Ce n'est pas un Pumbu. Hein. Non, non, ce n'est pas Saint. Pumbu, c'est Saint. Ok, alors. Maintenant, prenez notre attaque. Le Portugais, hein? Donc, le Portugais était là de 1482 jusqu'à 1881. Les Belges arrivent en 1881. Alors, les commerçants, les businessmen à l'époque. Donc, les Portugais, on peut dire que les Portugais, c'est les Libanais, hein? Disons. On voit ça, l'angle commercial, hein? C'est les Libanais, hein? À l'époque, de l'époque. Alors, le commerce en Pumbu, c'est le Portugais, avec le Portugais. Alors, maintenant, papa, qu'a dit, moi, comment on dit? Non, ça se prouve que Lingala, attention, attention, quand je dis Lingala, je dis Lingala, je me réfère à Lingala, parler en Kinshasa, hein? À Pumbu, hein? C'est pas Lingala de Mbandaka. Lingala de Mbandaka, c'est vraiment le Lingala. Mais Lingala à Kinshasa, c'est le créole, hein? C'est le mélange du français. Voilà. C'est le mélange du français. Ici, chez moi, dans mon bureau, j'ai ça. Hein. Ça, c'est la Bible en Lingala. Hein. Mais si je dis Lingala là, vous qui parlez Lingala, vous comprenez. Ah oui, ça là. Alors, quand je dis Sasaipi, c'est Lingala. Hein. Ça, c'est Lingala de Makanza. Lingala de. Makanja, Lingala. Quand je dis Sasaipi, ça veut dire quoi, Tata Joe? Sasaipi. Sasaipi, ça veut dire, non? Ou je vais dire? Matakiga, Sasaipi. Ou c'est-à-dire? Ah, c'est Lingala, ça veut dire maintenant. Ah ouais, ah ouais. Ah bon, qui va parler ah, de Lingala? Ah oui. Alors, comment est-ce qu'on dit front, front, le front en Lingala? Mbunzu, c'est ça? C'est Lingala Mbunzu. C'est qui Congo? Ah, allez-y. Allez, oh, les chaussures. Les chaussures, comment dire les chaussures en Lingala? Sapato. Sapato. Ah, c'est Lingala ça? Ah non, écoute, ça c'est sonne portugais, français. C'est portugais, c'est portugais. Ah. Hein. C'est portugais. Alors, comment on dit le savon? Papa, qui est cadeau comme moi? Comment ça dit kek? Ah, pardon. Comment ça dit le savon en Lingala? Tata kek? Non, on dit qu'il est savon, hein? Non, non, il y a un mot Lingala pour savon, hein? Okay. Et soukolelo. Ça, n'inventez pas les choses. Sabouni, hein? Ah, ah oui! Alors, sabouni, c'est quoi, Tata Mings? Toi, tu parles portugais. Mais sabouni, c'est Kikongo, ça, non? Non, c'est portugais, sabon. Sabon. Ah bon, ça bon, ça bonnette. Voilà, c'est portugais donc. Où tu as Kikongo, où tu as portugais en Lingala, hein? Bien sûr français. Alors la table, tata kek. Hein? Mesa. Hein? Mesa. Mesa, mesa, hein? Tata Joe, et c'est Lingala, c'est quoi ça? Mesa quoi? Mesa. C'est Lingala ça? Portugais. Portugais, mesa. Mesa. Ah, c'est ouais. Le portugais. c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on dit la taxe en Lingala? Mpaku. Ah, c'est pas Lingala, c'est Kikongo. Ah oui. Mbongo à l'État. C'est Kikongo. Alors, bon. Faites votre recherche, hein? Il y a plus de mots que ça. Yeah. Ah oui. Intéressant. Ouais, intéressant, c'est pas seulement intéressant, mais faut prendre note, hein?
c'est notre histoire. Quand papa Karl a dit, quand moi, c'est ça notre histoire, tu vois, les gens ne veulent pas étudier, apprendre, tu vois. Kiaku, Kiangani, Kiangani. Kiangani, En français, il y a une expression qui dit qu'on ne fait pas que le match chez les autres. Kiangani. Il faut aussi jouer chez vous. Tatalmen de quiconque tomene son ama qui tomene son amana mandombe mudiambu di rotation yam vovo et quiconque net kimbango na vanga rotation kimbango fundami. Ok. Tout on délai. Voilà, Julia. Ok. Question? Papa, question? On n'a pas la table en Kikongo, on n'a pas dit. Non, ici, nous, en Kikongo, hein, en plus, Ouais. Kikongo, Kikongo, on dit Kiandu. Kiandu sur le trône. Hein, Kiandu sur le trône, et puis on peut utiliser ça pour Messa. Nous, quand on s'assied sur le trône, le Kiandu, quand on veut manger. Hein, comme nos frères, les Indiens, par exemple, les Pakistanais, souvent se. Ou tapette, c'est dans le champ, quand on commet, quand ils sont en train de manger. Ah ouais, je crois. Voilà, Le tapis, ouais. nous c'est Kiand, donc. Si on vous dit qu'est-ce que met ça en Kikongo, tu dis Kiand. Le mot trône en Kikongo, c'est Kiand, Kiand. Trône du roi, c'est Kiand. Ok, tout au long de pas de questions, alors on va vite, vite, on a que 25 minutes. Non. Attends, Alors, human body, le corps humain. Ouais, le corps humain. Mbundu, c'est pas Lingala. En plus, il y a un mot là qu'on est en train d'inventer à Lingala. C'est. Je crois que tu as déjà entendu ça, Tata Kega. Mafinga. C'est juste ça. Insulter quelqu'un? Mafinga. Ça, c'est la corruption du mot Mafingu. Mafinga, c'est pas ni Lingala, ni Gikongo, c'est l'invention. C'est Mafingu, ça vient de Mafingu. Mafingu, voilà, les insultes, voilà. Ah ouais. Ah ouais. Quelqu'un, un grand monsieur, un ministre, il est parti aux Nations Unies, il y a une conférence, il parle en français, bien disons. Il parle en lingala, mais il utilise vos mots, mais vous-même, le Congo, vous rêvez, hein? Au lieu de dire que non, non, ça c'est pas toi. Ah oui. Vous pouvez rêver, hein? En plus, c'est bon. Je suis pas contre Lingala, je l'ai toujours dit. Hein. J'aime la langue de papa maréchal. Nous, on étudie. Hein. Moi, j'ai appris à écrire Kikongo, j'avais 11-12 ans. À Kinshasa. Tu te rends compte de laquelle? J'ai appris à écrire le Kikongo, j'avais 11-12 ans. Hein. Donc, ma mère, bon, papa n'était plus, alors. Son frère s'est trouvé déjà au village. Et Ok. maman, malheureusement, elle n'écrivait pas. C'est moi qui étais là. Et elle dictait, mais moi j'écrivais. Alors, le test, c'était quand il me dit, alors, lis ce que tu as écrit, comme ça je vais vérifier. Alors, c'était difficile. Mais quand tu te rends compte, 11-12 ans, je n'ai jamais vécu au village. Je suis né à Lingala. Mais j'étais capable. Tu sais ce qu'on comprend là? Je ne comprends pas. Hein? C'est juste pour dire que papa maréchal, à l'époque, Congo, ce n'était pas comme ça. Hein? Ce n'était pas comme ça, les études. Hein? Les gens étudiaient. Hein? On était vraiment très bien préparés. Alors, non. Ça, c'est l'histoire. Nous avons fait un mot. Tout est bon, l'imsangan. Dinkwenokatula. Écrivez ça, tata. Dinkwenokatula. Hein? Tu sais qu'est-ce que cela veut dire? Non. Dinkwenokatula.
Non. Donc, si vous traduisez littéralement, il y a Muninga Longola, mais littéralement, ça veut dire qu'il faut reconnaître aussi achievement, d'où c'est d'être. Il faut reconnaître les autres, disons. OK. Ne faut pas être ingrat, tu vois? Parce que nous, souvent, quand quelqu'un. Bon, le succès de quelqu'un, ça nous dérange, tu vois? Exactement. Au lieu de dire qu'en tout cas, ça, c'est un grand monsieur. Les études à l'époque, en 70, à Kinshasa, Katakako, hein? Katakako. Moi, je dis ça parce que c'est l'histoire, hein? L'histoire de Kinshasa, c'est aussi l'histoire des Bakongo, hein? Ah C'est oui. l'histoire de Congo. Mais à l'époque, bon. Alors, sinon, on va entrer dans la politique ici. Ok, Koutou, c'est le règne. Matou, c'est le pluriel, hein. MA, c'est souvent, dans la plupart des cas, disons, je peux dire 90%, c'est MA, c'est pluriel. K, c'est souvent préfixe singulier. Hein? Koutou, matou. Je répète, mafingu, c'est pas, ça n'existe ni en Lingala ni en Gikongo. C'est la corruption du mot mafingu. Offense, hein? Injurer quelqu'un, donc. Injure. Disons, 10 sous, tu vois, papa, regardez ça. On a M, toujours pluriel. Ici, dans ce cas-ci, on a K comme singulier. Ici, on a D comme D, c'est singulier. Mais M, c'est toujours pluriel, tu vois. 10 sous, meso. Question, Tatajou, ça va? Tatajou? Oui, 10. Alors, si je te dis que On prononce comment 10. dis ou 5 liens, Voilà, bon. meso, c'est pluriel. Tata Oui. Keka. Est-ce que si je dis que miso c'est Kikongo, c'est difficile à comprendre. Bah, c'est qui comment déformé, hein. Meso. Dino, là aussi, hein, tu vois. Voilà. Tête de mimes. Ils ont Dino, enlevé, c'est le ils ont enlevé, mais non. ils ont mis. Oh, Lino. excusez-moi, j'ai un appel, vite. Ouais, ça va. Bon, je souligne bien, c'est que Lingala parlait à Kinshasa. Hein? C'est pas Lingala. Parce que Lingala, c'est une bonne langue. Hein? Non, dans les années 70, hein, à Kinshasa, au Congo, donc, en RDC, ça c'est la Bible de Makanja, mais on avait aussi une Bible, disons, une version du Nouveau Testament, Lingala moderne. Cette Bible-là, c'est pour le Lingala parler à Kinshasa, tu vois. OK. Hein? Bon, c'est pas si c'est toujours on vend tout ça, cette version. Ça c'est ma kanja. Ça c'est Dis nous. Lingala ma kanja. Ma kanja. Mais Dis dans les années 70, il y avait aussi une Bible, disons, le Nouveau Testament. C'était Lingala moderne. Lingala parlait à Kinshasa, tu vois. Alors, on a le dinu. Donc, linu, ah, linu passi, ça c'est dinu, hein? Et dinu passi. Papa Kika, alors, c'est pour ça qu'on a vu, le Bush, le président Bush, le président Junior Bush, il ne parle pas français, bien sûr. Alors, il y avait un débat entre. Et le policier français avait des débats entre américains et français. Alors, lui, il critiquait les américains, il disait, ah, le français,
comment expliquer ça, c'est dit. Alors, lui, il disait que le français ne comprend pas. Laisse-moi, je veux qu'il soit en anglais, hein, en anglais d'abord. Entrepreneur, hein? Entrepreneuriat, hein? C'est comment vous comprenez ça? Ouais, entrepreneuriat. Ouais. Voilà. Alors, le président Bush qui disait, ah, mais le français ne comprend pas ça. Parce que, eux, en anglais, ils utilisent le mot entrepreneur. Alors, lui, il ne savait pas l'étymologie du mot entrepreneur. Il croyait que c'est l'anglais, tu vois. Comment dire à un français que. Tu comprends l'ironie, tata. Comment dire à un français que. Tu comprends pas. Comment est-ce qu'on fait le business, tu vois? Alors qu'il ne savait pas que le mot c'est français. C'est comme ici. Ah, bon. Toi, tu ne sais pas. Au Malinga, la thé, au Malinga, la bien thé, balbaradi, nous thé, balbaradi, l'inou. Alors, qui est correct maintenant? Si tu me disais, mais on dit pas. Si je viens du village, je dis en lingala, dis-nous. Hein, tu me dis que non, en lingala, on dit pas din, on dit lin. Alors, qui a raison? C'est vous les La personne qui a raison, c'est la personne qui a dit. Bah, pour le moment, on peut dire que. La personne qui parle lingala, il va dire que non, c'est j'ai raison, parce que c'est linou. La personne qui connaît Kikongo va dire non, c'est Dino. Donc, c'est. Mais Lino vient de Dino. L'origine, c'est Dino, normalement. Voilà. Ah. Coco. Coco. Est-ce que tu peux essayer de prononcer le mot? Parce que Kikongo, c'est la langue de l'intonation. Hein? Ok. Coco. Voilà. L'accent circonflexe, c'est la voyelle longue. Si je dis, écoutez bien, si je dis Coco, bon, nous, les Bakongo, la main, c'est à partir d'ici, hein? Le coude, non? Tout ça, c'est la main. Oui, coude. Alors, quand je dis Coco, attention, la voyelle longue. Alors, si je dis Coco, Coco. Avo, non? Pardon? Avo? Grand-père ou grand-mère? Non, tu penses à Lingala, toi. Ah, oh, oh. Ah, oui. Elle dit Coco, c'est là-bas. Ah, Coco, c'est là-bas, ouais. Donc, tu écris de la même façon, mais la tonalité, la prononciation, la voyelle longue, c'est toi. Hein? Quand je dis, surtout, c'est la voyelle longue. Coco, Moco, Moco. Question de quelqu'un, donc. Non. Merci. Mais il n'y a pas les doigts, s'il vous plaît. Il n'y a pas les doigts et les noms. Le doigt, c'est Lembo, Lembo. Ok. Lembo, Lembo. N-L-E-M-B-O, Lembo. Coco, voilà. Koutou, Koutou. Koutou. Tu vois le M toujours, à pluriel, hein? M toujours. K-M. Koutou, Matou. 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 Ça, c'est la répétition, je crois. Hein? Ah, ça, c'est pour dire. Ok. Tout au monde. S'il te plaît, est-ce qu'on peut réquiler le diapo précédent? Okay. Je n'ai pas fini de noter. Ah, okay. Voilà. Koutou, Matou. Alors, si j'ai lu ce lingala, je dis papa, quelqu'un, je te dis de traduire. Tu ne vas pas comprendre. Ça va être difficile. C'est bon. Merci. Ok, merci. Je veux lire en lingala ici.
Normalement, Florence essaie d'entrer, mais c'est pas possible. Hein? Alors. Ok. C'est bon, on va supprimer ça. On va mettre sur l'autre diapo. On va bientôt finir. C'est très vite, vite, on va faire vite. Mbundu, c'est. Mbundu, c'est pas Lingala. Mbundu, c'est Kikongo. Fumbu, c'est Kinshasa. Parce que les vieux Bakongo qui n'aiment pas prononcer le mot Kinshasa, ils disent toujours Pumbu. Les conservateurs, hein. À quel sens? Non. À quel sens? Dit la queer. Non, il dit ça. Tata qui a dit ça, pourquoi il dit ça? Oui. Pourquoi? Non, il dit ça pour dire que non, nous étions là avant vous, tu vois. Ah oui. Ça, c'est le territoire Congo, hein. Les revendicateurs. Ouais, ils disent non, ça c'est Pumbu. C'est notre village, hein. Ok, c'est vite fait dans 10 minutes. Ok. Alors, ça va commencer à se faire petit à petit, hein. La grand-mère, t'as dit qu'elle de nous ici. Normalement, tu vois l'accent. Comment ça s'appelle? Apostrophe, hein. L'apostrophe, oui. Voilà, ça c'est. On a E, hein. Ongeye, hein. Ongeye, Osinga. Mais en parlant, disons, vous enchaînez, Ongeyo. Ongeyo Singa, comme moi. Ongeyo Singa Die. Hello, Omono Isinga Dia. Est-ce qu'on a. Je crois qu'on avait, on avait appris la grammaire la fois passée, hein. Ame, Aku, Tata, Kéla, tu peux continuer? Ame, Aku. Oui. Continue, s'il te plaît. Ame. C'était Ame, Aku. D'où? Mais moi, je n'étais pas. Ah non. Presque ça, Andy. Oui, Andy. Qui a qui? Eto. Eto, Eno. Ah, je comprends très bien, je crois. Tu te rappelles, dis-moi, tu as une idée sur la leçon. Ça, c'était l'autre chose. Qui a À la fois parce que je disais, la chemise en Guiningala, c'est quoi? Bah ça je pense je je sais qu'on est Kikongo mais Lingala non. Ah non, Kikongo c'est quoi? Kikutu non? Kikutu. Ah, c'est ça le Lingala. Ah bon. C'est ça le Lingala de Kikongo disons. Ça c'est le mot Lingala importé de Kikongo donc. Ah bon. Bien. Chemise c'est français hein. En Kikongo normalement bon, c'est les gens modernes on dit qu'ils chemise mais à l'époque 70, 80, même. C'est Kikutu, voilà. Maintenant, comme les gens disaient, ah, yo, le balim de la village, pour être moderne, il faut qu'on le sente 10 en français, c'est mieux. Alors, vite, on va s'arrêter là. C'est ce diapo-là. Alors, on a Amé. Tata, écrivez, s'il vous plaît. Amé, Aku, Amé. Andy. Alors, vite, je vais passer à... Tableau. Vite. Oh, attends. Ah, mais. En tout cas, prends nos tata. Jou, Andy. Et tout. Et non. Ah, ou. Ame Aku Andy Ame Aku, donc première personne, deuxième personne, troisième personne, tout singulier, après on a le pluriel Eto Eno Ao. C'est bon, papa Kika? Tu as pris une autre, hein? Oui, c'est bon. Attention, je vais vous tester maintenant. Hein. On a oui, c'est minutes. Bon, j'ai pris note. Ouais. Ok, d'accord, alors maintenant c'est le test. Ongeyo Singa Die
Papa, Dieu, tu lis, papa, qui va répondre? Ongeye Osinga Die. Hello. Le vrai langage, hello. Hello. Omono, Isinga Dia. Maintenant, la prochaine fois, c'est O disparaît, mais on fait la liaison, disons. En un mot, on enchaîne Omono, Isinga Dia. Omono, Isinga Dia. Tata Dieu, alors, on est en train de parler de quelqu'un, hein, la troisième personne. Est-ce qu'il va manger? Tata Dieu pose la question, papa, qui va répondre? S'il te plaît. Onge et Osinga Die. La troisième personne, hein? La première personne. Non, tu maintiens le haut, hein? Tu maintiens le haut. Et puis pour la première personne. Oyandi, c'est ça? Voilà, Oyandi, voilà. Oyandi Osinga Die. Voilà, Oyandi. Oyandi, regardez ça. Ça, faut vraiment mémoriser ça, c'est comme ABC, hein, l'alphabet. Parce qu'on peut avoir, on a les préfixes, par exemple, Beto. Beto, c'est nous, Eto, ou Yeto. On a le préfixe B ou Y. Hein. Posez la même question, Tata Djou, s'il te plaît. Est-ce qu'il va manger? Yandi Singa Die. Tu dis le haut, hein? Maintiens le haut, hein? O Yandi Singa Die. O Singa Die. Répétez, s'il te plaît. O Yandi O Singa Die. Tata, quelqu'un? Oui, je réponds. Troisième personne. Hello. Oyandi. Très bien. Osinga Dia, parce que Isinga, c'est première personne, hein? Osinga Dia. Singa, c'est l'auxiliaire, hein? Singa, c'est comme en anglais, I will. Le futur, en Kikongo, c'est Singa, l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire qu'on utilise pour former notre futur. Ok, dernière question. Tata, quelqu'un? Je pose la question à... Ouais, est-ce que nous allons manger? Oyeto. Très bien, bravo. Isinga Die. Bon, c'est pas de ta faute. Maintenant, les O là, c'est TU maintenant, c'est tout, hein? Ok. C'est pluriel. D'accord. De nouveau, s'il te plaît, Oyeto. Oyeto to Singa Die. Très bien. Hello. Oyeto. Non, tu. Il te pose la question, nous allons manger, est-ce que nous allons manger? Tu réponds. Hello aussi. Vous allez manger, vous allez. En Kikongo. Vous, c'est Eno, non? Eno. Hello. Oh, yeah, non. Voilà, eh, non, ouais, mais tu mets le préfixe X. Hello. Oh, yeah, non. Oh, yeah, non, au Singadie. Le Singadie. Ah. Donc, on a tout hello, pour une personne plurielle. On a le d'une personne plurielle. On a ba ou bien yao. Ça va, hein? Ok, oui. C'est bon. On va appeler ça la prochaine fois. Mais ça, c'est la grammaire qui compte, hein? Tata Nengwa Florence Otuloloka. J'espère que vous êtes en train de nous suivre, mais malheureusement, mon téléphone ne marche pas. Tutondele, question? Tutondele. Ok. Tata Keka. Oui, ça va. Dis-nous diame. Tu vas amé, tu la respectes, hein? Amé. Quand je dis dis-nous diame, tu vas amé. Il faut vraiment mémoriser le suffixe, hein? Diame. Okay. Ma danse, c'est à moi. Tout on attend quelqu'un qui nous écrit. Tata P.
place. Greeting from the fort, teaching Gikongo Lama Sokele. Ah, il dit merci beaucoup pour le coup de Gikongo. Hein. C'est bon, on est en train d'apprendre. Tout on... oui. Thank you very much, brother. Est-ce qu'on peut dire aussi Menomame? Ça se dit, ça? Ah, c'est correct, Menomame. Ouais. Menomame. Ah. Ouais, c'est correct. Si tu es en Gikongo, faut connaître toutes les variantes. Connaître, c'est impossible, mais faut être toujours tolérant, hein, tu vois. Oui. Toujours tolérant. C'est le Gikongo, c'est Gikongo. Congo Brazzaville, Congo de Kadi, Congo Kinshasa, Congo Angola, le Gikongo, c'est la même langue. Il y a ceux qui disent Yeto, certains disent, disons, juste Eto, pour nous, ou Yeto, ou Beto, c'est la même chose. Tout le monde est loin de Gambotita. Tout le monde est là. À la prochaine fois, merci beaucoup. À la prochaine, merci. Ekietu kietu, yangani, yangani, kawa uko, iwao, bongele meso, mwene, isiburi matu, umwidi, yekonzo dienu. Yeno luvo vangabo, kongo diafwa, yeno luvo vangabo, kongo diafwa, bizata la kwenwe, ke yala ku, bizata la kwenwe, ke kulu mimi kasi kongo diatumwa. Vangabo Congo diafwa, yeno luvo vangabo Congo diafwa, bizata la kwenwe, ke yala ku, bizata la kwenwe, ke kulu mimi kasi Congo diatumwa. África fue siempre linda, uno de los versos de humanidad. Había mucho renato, había mucha felicidad. Vivíamos dentro de la ley, palo del reino del Congo. Niña Luqueni era un rey. Habitaba en banda Congo, en compañía de otro rey. Todos se llaman dentro de la, se esqueciendo mamá que papita. Nos llama de Yalango, carrego un culumbimbi. Esa imagen me identifica. Banda Congo a mi tierra, a mi mamá y a mi corazón. Olha que nos fala mal, peço liberdade da maldição. De todos para Congo, como diz o velho ditado, do malogrado de talento. Eu irei de voltar, mas a questão é de esperar. Eu sou filho do Quimba, falo do Mwanza até Ebela. Onde que vem aqui Congo? Quando a banana tem da Congo, louva na sanda, o mono e fuanda. Luiza em Pangizeto, e o Taonso, Tatuque Congo. Tala é quem coloqueto que ainda em Zango, como o Zabimba. E Mwana Congo, Caleguese, Songo em Gango, e é quem coloqueto. Arrima do Cojojola, arrima do Cojojola. Sou pai do Emerson King. Yeno luvo vangabo Congo diafwa. Yeno luvo vangabo Congo diafwa. Bizata la kwenwe, ke yala ku. Bizata la kwenwe, ke kulu mimi kasi Congo diatumwa. Yeno luvo vangabo Congo diafwa. Yeno luvo vangabo Congo diafwa. Bizata la kwenwe, ke yala ku. Bizata la kwenwe, ke kulu mimi kasi Congo diatumwa. Ficará marcado na memória. Se o jogo já está no fim, agora chega, vamos na vitória. Que Mavunga é minha terra, banda sagrada pra todo mundo. Para o vosso consciente, cortei a corrente, voltei bem quente e diferente. Instalei um circuito fechado, muitos tentaram, lhes deu errado. Como diz o belo ditado, a Congo não falha, mas sim atrasa. Tata, tata, moana, moana, eu sou pai, então não se engana. Se o poder não se dá, a cultura bando não se esquece. Terra do mano em Totila, quem conhece Nini e Aluque. Melhor, Zingam Kufu, Mamá Kimpavita, terra dos assimilados, Afonso I, Simão Kimbangu, Fulumbinga Lando Vitor, Antônio Dembo, Tetelando também Samanguana, terra de Makuta Nkondo, Yaniki Ngobo e Itatangana, onde fica o mercado do Luvo, Fulumbimbi e o Yalanku, pedra do Fidizo e também a ponta do padrão, os falos de Mbanza Congo, patrimônio mundial da cultura, general sem passadores. Yeno luvo vangabo Congo diafwa, yeno luvo vangabo Congo diafwa, bizata la kwenwe, ke yala ku, bizata la kwenwe, ke kulu mimi kasi Congo diafwa.
muito mais. Vocês que dizem que Congo morreu, vocês que dizem que Congo morreu, venha conhecer o patrimônio, venha conhecer o Kulumbimbi em Banza onde está. Yeah, come on.
Eti quella come mula tongo Ilumbuilo benbongele un mundino tongo E mbangusa mentunghi di un mundino tongo E nola zambe si zelle muna tongo Io camboio bone che ne muna tongo O muana numba vantelle muna tongo O muana numba bocchelle muna tongo O aitate muna tongo Waitate muna tongo Matanuzi more kenne muna kongo Si kofilanga pakundungu muna kongo Endunduzi pelekete muna kongo Endunduzi pelekete muna kongo Bila kese tunamona muna kongo Bila makinu tunakina muna kongo Patata visa tunakweto muna kongo Mba mama visa tunakweto muna kongo Solele kumambu meno muna kongo Mono ngele ngele kombe muna kongo Kendika ngele kwenda muna kongo Mono ngele ngele kombe muna kongo Mono ngele kwambe muna kongo Thank you.